De la table ronde sur l'état de siège dans les provinces, président du Sénat, messieurs le Premier ministre, chef du gouverneur de province, les dames et messieurs ministres provinciaux, le membre de la société civile de province, le membre du conseil provincial de jeunesse, le mouvement citoyen ainsi que d'autres invités. Excellences, Monsieur le Président de la République, avec l'expression de nos hommages renouvelés. La cérémonie d'aujourd'hui prévoit le discours de circonstance de... Parole. Excellences, Monsieur le Président de la République et chef de l'État, avec l'expression de mes hommages les plus déférents. Honorable Président de l'Assemblée nationale, honorable Président du Sénat, mesdames et messieurs les chefs d'institutions et corps constitués, honorables députés nationaux et sénateurs, mesdames et messieurs les membres du gouvernement de la République démocratique du Congo, mesdames et messieurs les représentants des missions diplomatiques, mesdames et messieurs les délégués à la table ronde sur l'état de siège dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu, distingués invités, en vos titres et qualités, mesdames et messieurs. Excellences, Monsieur le Président de la République et chef de l'État, comme l'atteste chacun des discours prononcés par votre Excellence, comme l'atteste également chacune des actions menées sous votre impulsion, la problématique de la recherche de la paix au profit de nos populations et de la sécurité de notre territoire national a toujours été au centre de vos préoccupations. Je me remémore encore le tout premier discours de votre Excellence sur l'état de la nation, prononcé le 13 décembre 2019 devant le Parlement réuni en Congrès. Discours dans lequel vous vous insurgiez contre toute velléité d'agression de notre pays par quelque force négative que ce soit. Dans ce discours, votre Excellence évoquait avec exaltation, je cite, « Ce Congo que nous aimons tous mérite d'être protégé dans son intégrité et dans sa dignité. »
Prenons en compte cette préoccupation permanente. Le gouvernement de la République que je dirige a toujours placé l'enjeu sécuritaire au cœur de son programme d'action, en l'inscrivant dans la triptyque programmatique « Un État fort, prospère et solidaire ». Le programme d'action du gouvernement comprend plusieurs piliers qui portent sur l'enjeu sécuritaire. Et le gouvernement n'a d'ailleurs cessé de fournir des efforts d'accompagnement de votre vision, Excellence, Monsieur le Président de la République, dans ce secteur sensible de la vie nationale. Excellence, Monsieur le Président de la République, face à la résurgence des violences des groupes armés dans la partie est de notre pays, notamment dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri, vous avez pris, le 3 mai 2021, la responsabilité historique en tant que commandant suprême de nos forces armées. Les ordonnances numéro 21/015 et numéro 21/016 portant respectivement proclamation de l'état de siège et mesures d'application de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. Depuis l'instauration de l'état de siège, le gouvernement de la République a effectué plusieurs missions d'évaluation des mesures de son application dans les deux provinces concernées. Dans ce cadre, nous avons conduit nous-mêmes 4 missions d'évaluation. À chaque mission, j'étais accompagné des honorables députés nationaux et sénateurs, notables originaires des provinces du Nord Kivu et de l'Ituri, ainsi que des ministres sectoriels concernés par la problématique. Et à chaque mission, j'ai eu des échanges fournis avec les gouverneurs militaires, les autorités administratives et militaires, les acteurs et partenaires humanitaires, les membres des institutions mises en veilleuse par la mesure de l'état de siège, les membres de la société civile, ainsi que les acteurs socio-économiques et politiques des deux provinces. Comme nous avions eu à le souligner lors de notre discours d'ouverture aux travaux de la commission préparatoire de cette table ronde, les missions d'évaluation avaient pour objectif de permettre au gouvernement de la République de prendre en compte les avancées, les défis à relever, ainsi que les recommandations contenues dans les rapports d'évaluation produits par les gouverneurs militaires à l'attention du gouvernement. Ces missions d'évaluation devraient également permettre au gouvernement de recueillir sur le terrain les préoccupations pendantes des différents acteurs sociaux, économiques et politiques dans les deux provinces placées sous l'état de siège. Excellence, Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs, distingués invités, toutes les préoccupations exprimées ont été soumises par le gouvernement sous forme de recommandations à Son Excellence Monsieur le Président de la République et chef de l'État. En réponse, il a plu à Votre Excellence d'annoncer la tenue d'une table ronde devant examiner dans tous ses contours la problématique au cœur de ses assises. D'ores et déjà, il nous faut reconnaître que l'analyse des préoccupations exprimées a indiqué clairement 3 assertions soutenues sous forme de position. La première position prône le maintien de l'état de siège. La deuxième position soutient l'hypothèse de la requalification de l'état de siège. La troisième et dernière position réclame la levée pur et simple de l'état de siège. Contexte
tout ceci en tenant compte du contexte sociopolitique, sécuritaire et électoral en toute responsabilité. Tenu à Kinshasa, du lundi 19 au vendredi 23 juin 2023, les travaux du comité préparatoire à la présente table ronde ont corroboré ces trois assertions avec un argumentaire clair, assorti des avantages et des inconvénients pour chaque position, avec des indications précises quant aux modalités y afférentes et, si possible, une feuille de route présentée dans une approche stratégique et progressive. Aussi, les travaux de la présente table ronde permettront-ils d'approfondir ces trois thématiques et les recommandations dégagées soumises à votre seule discrétion, Excellence, Monsieur le Président de la République et Chef de l'État. J'aurai le temps de revenir tout à l'heure sur la méthodologie des travaux. Pour l'instant, Excellence, Monsieur le Président de la République, je laisse place à votre très haute autorité pour votre discours d'ouverture des présentes assises. Que Dieu nous bénisse et nous garde tous. Et je vous remercie, Excellence, Monsieur le Président de la République. Monsieur le Président de la République, pour son discours. Monsieur le Président du Conseil économique et social, messieurs les présidents des institutions d'appui à la démocratie, mesdames et messieurs, distingués invités, mes très chers compatriotes, il y a exactement 2 ans et 3 mois, jour pour jour, que la situation exceptionnelle dans la partie orientale de notre pays, caractérisée par une insécurité persistante qui sévit depuis 3 décennies, avec une menace certaine sur la souveraineté nationale et le fonctionnement régulier des institutions, m'imposait, en vertu des obligations constitutionnelles et conformément aux dispositions des articles 69, 85, 144 et 145 de la Constitution, de proclamer l'état de siège dans les provinces. Ce régime, voulu exceptionnel par le constituant, n'a pas vocation à s'éterniser. En effet, au-delà du fait qu'il demeure le cadre approprié et compatible avec la nature des opérations déployées pour mieux affronter les ennemis de la paix, l'état de siège
impose aux populations de l'Ituri et du Nord Kivu, en dépit de ses résultats encourageants, de consentir à des sacrifices qui affectent leur mode de vie habituel. À ce propos, des rapports de mission, des missions d'évaluation de l'état de siège effectués par le gouvernement ont mis en lumière quelques atermoiements et autres divergences quant aux effets durables de la dite mesure pour lesquels des recommandations ont été formulées. C'est pourquoi, tout en saluant les efforts inlassables et louables de nos forces de défense et de sécurité, ainsi que de tous les acteurs engagés dans la mise en œuvre de ce dispositif, je n'ai pas hésité un seul instant à accorder toute mon attention aux opinions manifestées par les différentes couches politiques, sociales, économiques et sécuritaires des provinces concernées par l'état de siège. J'ai donc entrepris une série de consultations, dont une audience accordée aux élus nationaux du Nord Kivu et de l'Ituri en octobre 2022, afin de décider consciencieusement des orientations à donner aux recommandations formulées sur le maintien ou non de cette mesure. Au vu des préoccupations exprimées par les populations du Nord Kivu et de l'Ituri, j'ai donc relevé la nécessité de procéder à une évaluation solennelle de l'état de siège sous la forme d'une table ronde inclusive afin de réfléchir et d'envisager ensemble les bases d'une orientation optimale tout en préservant les acquis générés par cette mesure exceptionnelle. Honorable Président de l'Assemblée nationale, Honorable Président du Sénat, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Monsieur le Président du Conseil supérieur de la magistrature, honorables députés et sénateurs, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le Président du Conseil économique et social, Messieurs les Présidents des institutions d'appui à la démocratie, Mesdames et Messieurs distingués invités, mes très chers compatriotes, vous l'aurez certainement compris, ici repose donc la raison d'être de la table ronde convoquée ce jour à Kinshasa. Je vous demande de bien vouloir prendre la mesure, la vraie, de la situation, tout en appelant au sens élevé de votre responsabilité, car il en va de la survie de la nation tout entière. Je vous exhorte donc, chers compatriotes, chers participants, dans un esprit d'unité, de cohésion et de tolérance mutuelle, à consacrer ces trois journées au développement d'une réflexion approfondie sur l'état de siège et de sa gouvernance actuelle. Cet exercice permettra une orientation concertée en vue de pacifier définitivement les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. Je ne saurais en outre clore mon propos sans lancer un appel patriotique à ces Congolaises et ces Congolais qui sont encore malheureusement engagés dans la poursuite d'actions subversives contre la mère patrie. Je tiens à rassurer la nation que le gouvernement de la République s'est engagé de bonne foi à offrir une dernière chance de sortie pacifique aux groupes rebelles encore présents sur le territoire national à travers le programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation, le PDDRCS en sigle. En vous souhaitant de fructueux échanges, je déclare ouverte la table ronde sur l'évaluation de l'état de siège dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. Que Dieu bénisse
la République démocratique du Congo et son peuple, je vous remercie. Est-ce que ça a donné? Ça n'a pas donné? Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on ne peut pas atteindre l'objectif par d'autres voies? C'est ça le problème. Mais dans une éthique de responsabilité, d'unité et de cohésion. Cette évaluation n'est pas arrivée un peu tard? Non, je crois que... Parce qu'elle a été réclamée depuis. Mais nous avons posé des problèmes. Nous avons fait 4 évaluations communes avec le gouvernement. Nous avons fait le rapport en octobre 2022. Mais il faut dire que la République a aussi d'autres préoccupations. Mais je crois que mieux vaut tard que jamais, non? Merci. Merci. Bon, que le président de la République est un homme d'ouverture, qui a l'écoute du peuple et qui sollicite de cette activité d'avoir les avis, les opinions, non seulement de la classe politique, mais aussi, s'il faut le retenir, qu'il a invité à cette table ronde les personnalités des deux provinces concernées par l'état de siège, que ce soit de la société civile, les chefs coutumiers, les députés provinciaux, toute la représentativité qui va, au courant de ces 2 jours, réfléchir sur les points positifs et les points négatifs de cette situation d'état de siège. Comment s'en sortir? Est-ce qu'il faut lever? Est-ce qu'il faut requalifier ou est-ce qu'il faut continuer? Et ça va permettre d'avoir une idée claire et ça va orienter le président de la République à prendre la meilleure des options, parce que nous savons tous la situation dans laquelle le pays se trouve actuellement sur le plan sécuritaire dans ces 2 provinces. Mais aussi, il faut aussi retenir que nous avons un calendrier électoral et dans 3 mois, il va aller en campagne et au mois de décembre, il y aura des élections. Donc c'est très important qu'on lève une option et la meilleure pour l'intérêt de tous et de la nation congolaise. Et je crois que nous, Diana, la volonté du chef de l'État, du tout le gouvernement, qui est déjà bien discuté, il faut terminer les conditions et donner la dernière blessure, je pense, juste avec ce que nous avons entendu dans les discours du chef qui vient ouvrir cette table ronde. Nous allons suivre en tout cas la voix du peuple, la voix de son président, que nous puissions arriver à une bonne fin et que nous puissions aller aux élections paisiblement et que toutes les personnes dont les présidents appellent aujourd'hui à revenir à la raison, ne pas s'attaquer à notre mère patrie. Il nous a donné un appel, donc nous pensons qu'ils vont entendre et laisser la nation, en tout cas, continuer à se développer. C'est ce que nous pouvons dire à ce stade. Et pour permettre aux Congolais qui sont en train de vous suivre, pourriez-vous traduire ce que vous venez de dire en ligne de langue nationale, en swahili par exemple? Asante sana, chebote tunasikia leo tu ni formula kwa hii table ronde ya leo. Nawaza kama mkuu wa nchi, kama chef wa gouvernement, waliongoza zaidi na mkubwa anawaita wale wote wanakuwa abana munjia yenyewe, kunaleta kimya mumkini yetu ya sizima ya FDC. Anawaita tena warudie, waache kusumbua raia, na mimi nawaza ile mwito mkubwa sana, na tutapata vinye mkubwa anatuonyesha leo na kupata vile raia yenyewe walisema, alituma watu kuanzia deja mwaka lipita. Tutafata na kazi tutafanya kwa komisio itatupatia njia mzuri juu ya kwenda maeleksion.